Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, soit avec nous. Amen. C'est avec ces paroles de Francine Guelbert que je vous accueille, que je nous accueille ce matin. Avec Francine Guelbert, nous étions avec deux autres collègues pasteurs ici il y a 20 ans. Ce lieu pour moi est plein de souvenirs. Et je me réjouis notamment, non seulement de vous retrouver, mais d'accueillir des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui viennent de Haïti, et aussi des frères et sœurs en Christ qui viennent de Madagascar. Et sans doute le grec d'origine que je suis pourrait-il saluer encore d'autres pays d'origine. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient données. Et pour rendre gloire à Dieu, je vous invite à chanter ensemble les deux premières strophes du psaume, plutôt du cantique 44. Nous sommes venus et Dieu nous accueille. Dieu nous accueille tels que nous sommes, avec les joies et les jas et les larmes des jours derniers, avec nos réussites et aussi nos échecs. Lorsque nous avons faim et soif de sa présence, Dieu demeure en nous et il agit par notre entremise. Lorsque nous avons faim et soif de sa justice, Dieu la fait rayonner en nous et nous y associe. Lorsque nous avons faim et soif de son pardon, Dieu nous donne sa paix et nous fait artisans de paix. Aussi pouvons-nous nous remettre à lui tel que nous sommes, avec nos richesses et nos manques, avec nos accomplissements et aussi nos échecs. Dieu notre Père, nous t'en prions. Allège-nous de ce qui pèse sur nos cœurs et nos esprits. Délivre-nous des remords, des rancunes, du sentiment d'être coupable ou incapable.
Donne-nous ainsi de laisser agir en nous et entre nous l'énergie vive de ton esprit. Source inépuisable de bonté, de compassion et de courage. Que ton amour travaille nos réticences et nos peurs pour y tracer les chemins de l'accueil. Qu'il creuse nos doutes et nos hésitations pour y ensemencer la confiance. Qu'il inspire nos paroles et nos actes pour en faire des signes de ton royaume qui vient. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ, notre frère en humanité, ton Fils pour l'éternité. Nous mettons toute notre confiance en sa parole. Je suis lumière dans le monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. À lui la gloire. Amen. Et je vous invite à exprimer notre confiance par la première strophe du cantique 206, ce cantique 206 qui nous accompagnera tout au long de ce culte. 206, strophe 1. J'ai choisi pour aujourd'hui le texte qui est dans le lectionnaire pour ce dimanche. Il s'agit dans l'évangile de Marc d'une parabole et je vous la lirai en deux étapes avec un interlude d'orgue au milieu. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassembla près de lui, si nombreuse qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Et toute la foule était à terre face à la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Mais lorsque le soleil fut monté, il a été brûlé. Et faute de racines, il a séché. Il est aussi tombé du grain dans les épines. Les épines ont monté et l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains encore sont tombés dans la bonne terre. Et montant et se développant, ils donnaient du fruit. Ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait, « Qui a des oreilles pour entendre ? Qu'il entende. » Parole du Seigneur. Thank you.
Et voici la suite du texte. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu est donné. Mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. Pour que tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Et Jésus leur dit, « Vous ne comprenez pas la parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est tombée. Lorsqu'ils ont entendu, Satan vient aussitôt, il enlève la parole qui est semée en eux. Et voilà ceux qui sont ensemencés dans les endroits pierreux. Ceux-là, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la tendresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres encore sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et toute autre convoitise s'introduisent et étouffent la parole qui reste ainsi sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent du fruit, 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du numéro 206, strophe 2. Si nous entendions pour la première fois la parabole du semeur et des semences qui tombent sur divers terrains et y poussent de manière plus ou moins féconde, je suis sûr que notre première réaction consisterait à nous interroger sur nous-mêmes. Et moi, quelle espèce de terrain suis-je ? La parole de Dieu trouve-t-elle en moi un terreau fertile ? Ou n'ai-je à lui offrir qu'un seul pierreux ? Où une parcelle envahie d'épines, où les semences étouffent et se dessèchent, faute de pouvoir s'enraciner. C'est d'ailleurs ce que suggère l'explication que l'Évangile donne de la parabole, une explication attribuée à Jésus lui-même. C'est une interrogation, ce pourrait même être un reproche adressé à ce que nous faisons de la parole de Dieu et de ses dons. Et il est sans doute judicieux de nous laisser interpeller ainsi de temps en temps. Est-ce que nous sommes de bons témoins de Dieu ? Est-ce que nous sommes de bons témoins pour ceux qui croisent notre route ? Ou bien est-ce que les persécutions, les distractions, les tentations, les difficultés du quotidien nous empêchent-elles d'accueillir vraiment comme il le faudrait ce que Dieu nous offre et nous propose ? Je crois que là, c'est notre première réaction. Mais je me demande si le message essentiel que Jésus voulait transmettre par la parabole n'était pas autre chose. Et je crois que l'Évangile lui-même nous en donne des indices. Je crois que l'important, ce ne sont pas tellement les terrains,
L'important, c'est la semence. C'est ce que confirment d'ailleurs les paraboles qui suivent. Il y a une parabole où il est question d'un grain qui pousse tout seul sans que personne ne s'en occupe. Il y a une autre parabole où il est question d'un minuscule grain de sénevé. C'est le plus petit des grains et qui pousse et qui devient la plus grande des plantes du potager, en sorte que tous les oiseaux du ciel peuvent trouver refuge en lui. Et même la parabole du bon grain, que le maître demande de laisser croître, même si la mauvaise herbe, même si l'ivraie pousse tout à côté de lui. L'essentiel, le centre des paraboles de Jésus, c'est la semence et c'est le semeur. Si l'on va de la manière d'accueillir la parole de Dieu, n'est-il pas surprenant de lire ce que Jésus répondait à ses disciples qui lui demandaient pourquoi il parlait en parabole? Parce qu'il vous a été à vous de connaître les mystères du royaume, mais aux autres ça n'a pas été donné. Je parle en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Curieux, hein ? Étrange. Jésus s'exprime en parabole pour que ses auditeurs ne le comprennent pas. Si vraiment le premier critère était que le message de Jésus soit efficace, qu'il ait du succès, je suis sûr qu'il s'en serait pris autrement. Alors pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole ? J'en vois personnellement deux raisons possibles. D'abord, parce que son message n'était pas une recette de sagesse pour parvenir au bonheur, ni une leçon de morale pour être dans le bien, ni une vérité qu'il suffirait d'apprendre et de réciter pour être dans le secret de Dieu. Non, Jésus décidément ne proposait pas aux gens une méthode, ni une méthode pour embellir leur quotidien, ni une méthode pour calmer leurs relations, ni une méthode pour assouvir leur soif religieuse. Jésus ne donnait pas de réponse. Jésus ne donnait pas de recette. Mais il mettait les gens en question et il les mettait en mouvement afin que chacun prenne position et réponde, même si ce devait être par un refus. D'où la seconde raison pour laquelle je crois que Jésus parlait en parabole, pour appeler les gens à s'ouvrir à Dieu et à laisser agir en eux l'Esprit. Voyez-vous, c'est le contraire des bâtisseurs de la tour de Babel dans la Genèse. Ils voulaient s'élever jusqu'au ciel de Dieu en ne parlant tous qu'une langue unique et par impératif. Agissons, travaillons, construisons notre tour. Eh bien, Jésus, lui, s'exprimait en parabole pour rappeler que ce n'est pas nous qui allons monter vers Dieu, mais que c'est Dieu qui vient à nous. Que c'est Dieu qui vient à nous en nous invitant à nous ouvrir à sa présence. Et j'ajouterai qu'il vient à nous tel que nous sommes, avec nos différences, avec nos spécificités, dans notre histoire personnelle, dans notre langue intime. C'est le miracle de Pentecôte dans le livre des Actes. Pierre et les apôtres s'exprimaient et le texte nous dit « chacun les entendait dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Chacun était interpellé au cœur de son existence. » Voilà pourquoi les différents terrains ensemencés par le semeur de la parabole ne sont pas également féconds et ne peuvent pas l'être selon qu'ils sont caillouteux, couverts de ronces ou de bonnes tourbes, ils vont produire ou non du grain en abondance. Et la parabole nous enseigne à ce propos trois choses essentielles. Premièrement, même si la parabole nous pousse à nous interroger sur nous et sur notre productivité, elles ne contiennent aucune espèce de reproche adressé au terrain infertile.
Il n'y a aucun regret de la part du semeur. Il n'y a aucune menace qu'à l'avenir, il réservera ses semences aux seuls terrains qui se sont avérés féconds. D'ailleurs, comment reprocher à un terrain d'être ce qu'il est ? Comme s'il avait lui-même choisi d'être couvert de cailloux, envahi de ronces ou attirant pour les oiseaux, pour les moineaux. C'était la première chose. Deuxième enseignement. La parabole souligne que tous ces terrains sont ensemencés par Dieu. Oui, moi ce que je trouve extraordinaire dans cette parabole, c'est que Dieu est un drôle d'agriculteur. Avant de disséminer ses grains, il n'opère pas de tri entre les différents terrains. Il n'enlève pas les cailloux de l'un, il n'arrache pas les épines de l'autre, pas plus qu'il ne dresse un épouvantail pour chasser les oiseaux qui viendraient picorer les semences. Non, le semeur Dieu jette ses grains partout, même là où il n'y a guère de probabilité qu'ils poussent et qu'ils se multiplient. L'action du semeur Dieu est universelle. Elle ne connaît pas de tri préalable, elle ne connaît pas de discrimination. Et cela m'amène à la troisième particularité, celle qui est à mes yeux peut-être la principale pour nous, témoins de l'Évangile. Si plusieurs parcelles du champ où Dieu a dispersé ses semences n'ont rien donné, eh bien la parabole nous dit que celle qui a été fertile a produit au-delà de toute attente, au-delà de toute espérance, 30 pour un, 60 pour un et même 100 grains pour un seul. Voilà qui dépasse. Et de combien ? La productivité qu'escomptaient les paysans de Galilée à l'époque de Jésus. Ils trouvaient que 7 grains pour un grain semé étaient déjà considérés comme un excellent rapport. Alors voyez-vous, avec 30 pour un, 60 et même 100 pour un dans la parcelle fertile, le semeur de la parabole n'avait vraiment rien à craindre pour l'avenir de son domaine. Il pouvait continuer à disséminer ses semences sans trier entre les terrains pour n'en garder que les meilleurs. Quant à nous, lecteurs, auditeurs, témoins de l'Évangile, quant à nous, bénéficiaires des 1001 dons de Dieu, plutôt que de nous interroger sur nous-mêmes, et de commencer soit à nous faire des reproches sur notre peu de productivité, soit, ce qui serait pire encore, de nous mettre à comparer notre productivité avec celle de tel autre, de tel ou de tel autre, avec l'espoir d'être les premiers de classe, les médaillés d'or en témoignage, réjouissons-nous plutôt de découvrir que les semences de Dieu ont traversé les siècles, qu'elles ont traversé les continents, qu'elles ont traversé tempêtes et sécheresses, qu'elles ont traversé persécution et même l'indifférence, sans rien perdre de leur saveur ni de leur énergie. Conclusion. Faisons confiance. Faisons pleine confiance à Dieu, le semeur qui nous fait don, d'une part de ses semences. Faisons pleine confiance à Dieu. L'avenir lui appartient. Et pour nous, comme pour l'humanité, c'est un avenir de vie, un avenir d'abondance, un avenir de générosité à partager dans la reconnaissance, dans la confiance. Amen.
Et je vous invite à nous unir dans la prière, dans le recueillement. Dieu notre Père, loué sois-tu pour le semeur de l'Évangile. Le semeur, ton Fils et ton témoin. Il a parcouru tous les champs de l'humain pour y disséminer des grains de justice et de vie. Sans faire le tri entre nos ronces et nos terreaux, entre nos pierriers et nos tourbes fertiles. Il a même tant aimé notre terre qu'il y a laissé ensevelir son propre corps, appelé à ressusciter comme une semence. Père, loué sois-tu pour la semence de l'Évangile. Partout où elle a trouvé accueil et attention, elle aura fécondé la vie de femmes et d'hommes, d'ailleurs comme d'ici. Elle les a fait passer de la peur à la persévérance, de la solitude à la solidarité. Elle les a rendus capables d'être à leur tour semences de justice et de vie. Et la semence ainsi s'est accrue, elle s'est perpétuée, malgré les refus et les oppositions, malgré les tempêtes et les incendies, la semence demeure fertile et nourricière sur toute terre de notre humanité. Alors donne-nous, Père, donne-nous d'en vivre, porté par ton esprit. Donne à ton Église disséminée sur cette terre et donne à tout être humain, fait de boue et d'esprit, fait d'épines et de terreau, donne à tout être humain de connaître la justice et l'espérance de l'Évangile. Il nous annonce et nous invite à croire la vie plus forte que la mort, l'amour plus tenace que toute séparation, jusqu'à ce que vienne l'heure de la moisson dernière, ce jour tant espéré, où tout visage d'humain sera pleinement reconnu comme un épi de ta gerbe, comme une fleur de ton jardin royaume. En ce dimanche, nous te prions plus particulièrement pour les chrétiens et pour tous les humains de Haïti, de Madagascar, d'Arménie, du Proche-Orient, de partout où la violence et la haine créent le malheur. Soutiens dans ces pays ceux qui sont artisans de paix, témoins d'une solidarité plus forte que toutes les oppositions. Et unis à présent nos cœurs et nos pensées, pour que, d'une même confiance dans la diversité de nos voix, nous fassions nôtre la prière de ton Fils, notre frère en humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Avant de vous inviter à chanter, j'aurai simplement deux annonces à vous faire. La première, c'est pour remercier Didier Godel, que je me réjouis de retrouver à l'orgue, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Et la seconde, c'est pour vous inviter à l'après-culte dans le hall du temple. Pendant le chant des trois strophes du numéro 362, je vous invite à remettre votre offrande et je vous en remercie. Cantique 362, les trois strophes. Après la parole d'envoi, nous chanterons encore avant la bénédiction la troisième strophe du numéro 206. Dieu notre Père, que ces dons servent à l'annonce de ton royaume, qu'ils permettent d'être des signes de générosité, de reconnaissance, de solidarité. Tu es aux cieux, Père, et nous sommes sur terre. Mais à l'heure où nous allons repartir vers notre quotidien, délivre-nous de toute tentation de te croire éloigné de nous. Révèle-nous encore que le ciel naît à fleur de terre lorsque nous attendons Jésus, ton Fils, notre frère, qui est venu et qui vient ouvrir ici la porte de ton royaume. Amen. Et je vous invite à vous lever pour le dernier chant et la bénédiction. Nous garde toujours fidèles à l'évangile que nous avons reçu, à l'évangile
qui nous fait vivre, que l'amour de Dieu, notre Père et notre Créateur, que la grâce de Jésus-Christ qui ouvre devant nous un chemin de vie et nous y précède, et que l'Esprit Saint, source inépuisable de foi, d'espérance et d'amour, que Dieu trois fois saint nous guide, nous conduise. Allons dans la lumière, dans la joie, dans la paix de Dieu. Amen.